Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: celui qui répond aux besoins de son frère, Dieu à son tour répondra à ses besoins. Ceci est une incitation à venir en aide aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous confia également: Dieu vient en aide à son serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Dieu t'assistera dans tes affaires mondaines et religieuses. Il te les facilitera et réalisera tes vœux. Veille à venir en aide à tes frères musulmans. Il est rapporté dans un autre récit prophétique que l'action la plus aimée auprès de Dieu est de rendre heureux son frère musulman, notamment en le réconfortant ou en le libérant de ses dettes ou en assouvissant sa faim. Le messager de Dieu déclara également: il m'est préférable d'assister mon frère jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il souhaite que de faire une retraite spirituelle dans cette mosquée, à savoir la sienne. Et même dans le cas où tu es dans l'incapacité de l'aider, procure-lui du bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: celui qui soulage son frère d'un des tourments d'ici-bas, Dieu le soulagera des tourments de l'au-delà. La récompense est bien meilleure, car que vaut les tourments d'ici-bas comparés à ceux de l'au-delà? Lorsqu'un soleil ardent sera juste au-dessus de la tête des gens à une distance d'un mile, les gens se noieront même dans leur transpiration. Ce moment-là sera bien plus difficile. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommanda aussi de faciliter à la personne qui est en difficulté, c'est-à-dire à celle qui a une dette envers vous, soit en reportant l'échéance de la dette, soit en la lui annulant. Dieu nous confie dans son livre saint: si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se libérer de sa dette. Si vous pouviez savoir pourtant quel mérite vous auriez en lui accordant une remise gracieuse, totale ou partielle. Celui qui facilite à son débiteur ou le libère de sa dette, Dieu lui facilitera les tourments de la vie d'ici-bas et ceux de l'au-delà. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.